Le centre de santé rurale de Boukébo inauguré. C'est un projet vieux de 5 ans réalisé. Un centre profitable aux populations de Boukébo, village de plus de 2000 âmes, et à celles des contrées voisines. Nous avons l'adduction d'eau, nous avons l'éclairage public. Il ne restait qu'un centre de santé pour éviter à nos parents des parcours lointains pour aller se faire soigner. Je suis comblé. Pâques, on vient pour développer, on vient pour fraterniser. On vient pour prier. Pour joindre l'utile à l'agréable, un infirmier et une sage-femme ont été affectés dans ce centre de santé rurale d'une dizaine de lits. Pour réunir les conditions du bien-être de la gente féminine, la coopérative des productrices de vivriers de Boukébo a été installée. La présidente nationale de cette organisation invite les membres de cette structure à l'union et à l'entente afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Ils font l'igname, ils font des aubergines, poivrons, manioc. En tout cas, tout ce qu'il faut pour la nourriture. Je suis venu aujourd'hui pour implanter la coopérative pour qu'on puisse mieux travailler, être mieux organisé et toutes ces productions-là, nous sommes prêts à les vendre. Par déformation, Oukébo est devenu Boukébo, ce qui signifie faire une ouverture dans la forêt. Ouverture qui fait désormais place à un coquet village réunissant les conditions d'un cadre de vie agréable.